y a une relation entre l'homme, le pilote et la machine, parce qu'effectivement, on est très très bien attaché à l'avion, ça c'est aussi important. On ressent bien les sensations de l'avion, les turbulences de l'air aussi, les réactions de l'avion, on les sent bien. Quand il y a du jeu un peu dans les commandes, on le ressent bien, du fait d'être bien attaché à l'avion. C'est ce que j'aimais pas, moi, justement, quand j'ai appris à piloter, on n'était pas attaché à l'avion, donc on bougeait avec un temps de retard, et du coup, la voltige, ça m'intéressait vraiment pas. Mais j'ai découvert ça avec la voltige, c'est de vraiment, du fait de la position, d'être super bien attaché, parce que on doit voler en inversé, et là, il faut pas se balader, là, on fait plus corps avec la machine, et c'est vraiment une sorte de projection du bras ou des pieds, il faut que ça réagisse bien. Après, il y en a qui ont des plus qui sont plus directs que d'autres, donc il faut apprendre aussi, il faut apprendre l'avion. La voltige, c'est un sport assez paradoxal parce que c'est un sport assis, et pour un sportif, je dirais un coureur cycliste ou un vrai sportif entre guillemets, notre sport paraît un peu particulier, on est assis, on bouge pas. Mais dans l'avion, on bouge beaucoup, il y a beaucoup d'efforts à faire, d'efforts musculaires entre avec les jambes ou les bras, c'est pas énorme, mais le cœur travaille énormément du fait des accélérations. Quand on fait un virage ou quand on fait une ressource, on peut prendre jusqu'à 10 g, donc 10 fois le poids du corps. Le sang pèse 10 fois plus lourd, il n'a qu'une envie, c'est partir dans les pieds et plus alimenter le cerveau. Donc on en a encore un peu besoin pour travailler, pour piloter. Pendant ce temps, le cœur, lui, il n'arrête pas de bosser, quoi. Il bosse, mais à des fréquences assez élevées, et il passe son temps à pomper le sang et à arrêter de pomper, parce que quand on va dans l'autre sens, il y a trop de sang au cerveau et ça ne marche pas. Donc il travaille énormément, mais on ne s'en rend pas compte. Donc ça c'est un super effort physique. Il y a la respiration qui compte énormément. Et donc physiquement, c'est très intense. Après, il y a une dépense d'énergie énorme dans la précision de la figure. Quand on fait un tonneau qui tourne à 400 degrés seconde, en moins d'une seconde, on a fait un tonneau. Il faut qu'il soit il faut arriver à voir l'avion tourner. Donc ça va très très vite. Il faut que le départ du tonneau soit très violent pour être spectaculaire. Il faut que l'arrêt soit parfait et très 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 brutal, je dirais. Et ça demande énormément d'énergie pour arriver à être précis. Quand je vole pas assez, ça me manque. Donc j'ai besoin de ça. Inconsciemment, j'ai besoin de ces petites contraintes. Je dirais pas de cette violence du sport, mais j'en ai besoin. Ouais.
Nicolas, c'est quelqu'un de, comment dire, plutôt calme, très précis, il sait exactement ce qu'il veut, dans ses airs un peu nonchalants, très cool comme ça. Il est très cool, mais il est très organisé, terriblement professionnel. Il fait jamais les choses à la va-vite, tout est réfléchi, tout est préparé et organisé. Et je crois que ça fait aussi que c'est toujours safe et il va, et sait exactement où il va. Alors Nicolas, en fait, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience en voltige et qui en plus sait le partager. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont un bon savoir-faire mais qui sont incapables de le communiquer. Et lui, c'est en plus un super instructeur. Quand tu voles avec lui ou quand il est au sol à te regarder, il sait tout de suite ce qui ne va pas et il sait te l'expliquer, te donner les corrections qu'il faut. Donc il y a cet aspect technique mais en plus tout l'aspect communication derrière. Et partage d'une passion, parce que bah, quelque part, c'est ce qu'il y a de plus important dans ce qu'on fait.